point de rendez-vous est droit devant. Essayons de rester cordiaux, d'accord? Donc, le plus cruel de tous les capitaines d'Advent vient pour expier ses péchés. C'était dans une autre vie. Je suis libre maintenant. On ne change pas sa nature simplement en retirant son casque. Les faucheurs ont la mémoire longue. Kraxad des anciens. Je n'ai pas peur. Bon, deux choix s'offrent à nous. Ou nous nous allions pour chasser les anciens de notre monde, ou nous nous battons tous à mort ici même. C'est à vous de voir. Personne n'a jamais fait une chose pareille, et personne ne la refera jamais. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vox Prima, l'assassin des anciens. C'est l'épée de Damoclès de mon peuple. Elle tue tous les ex-Advent. Mes semblables connaissent le même fléau. Ce sont des immortels, lancés par Advent à nos trousses. Nous devons combiner nos forces si nous voulons avoir la moindre chance de les vaincre. Vous pouvez essayer. Ont déjà affronté ce genre de créatures. Elles sont apparues sans crier gare voilà quelques années. Sans elles, nous aurions déjà repris notre monde. Quelle arrogance! La volonté des anciens touche tous les recoins de l'univers. Je ne suis que l'un de leurs instruments. Recibido, espero. Je vous fais confiance. Je tiens la position. Good to go. Holding position. Solid copy. Reloading. Je fais ce qu'il faut. Voy a la ubicación designada. En el sitio. What was that? Estimez-vous heureux. Vous pouvez vous cacher. Je vous retrouverai. Je vais où vous voulez. J'attends à couvert. Digging in. Hunkering down. Je tiens ma position. Manteniendo posición. En el sitio. L'ennemi est en mouvement. Ah!
On dirait que l'élu a étourdi l'un de nos soldats. Nous devons envoyer quelqu'un l'aider à se remettre sur pied avant que cette créature n'ait le temps de l'attaquer. Confirmada. De dispersion sonique émise par ce module de stase balaie une zone immense. En d'autres termes, cette créature vient de sonner l'heure du dîner pour toutes les ombres présentes dans la ville. Vous avez tout compris. L'intégralité de la biomasse des ombres se rapproche de cette position. Alors dépêchons-nous de vous sortir de là. L'oiseau de feu est en route vers le point d'évacuation. Ne restez pas là. Copy that. Première analyse des déplacements de ces créatures, il semblerait qu'elles attaquent de façon quasiment coordonnée.
Il ne s'agirait donc pas d'automates sans cervelle, comme nous le pensions jusque-là. Une possibilité aussi intrigante que terrifiante. Double time. Get some. Je fais du chemin. Affirmativo. ¡Paso ligero! Je vais où on a besoin de moi. Chez moi, la vigilance est innée. Ces créatures, peut-il bien encore y avoir ici? Advent envoie des équipes de purificateurs dans ces villes depuis des années. Mais elles survivent à chaque fois. Elles se renforcent même, et personne ne sait pourquoi. Guardia! J'y vais. Je passe en vigilance. Roger that. Overwatching. Beat, beat. Nouvelle approche.
Fuego abatido. En marcha. Sin cargas. Órdenes confirmadas. En marcha. En guardia. Je ne les laisserai pas passer. Got it. Come get some. Un jour viendra où mon peuple pourra reprendre cet endroit. Si tous vos congénères vous ressemblent, c'est bien possible. Muerto. Poniéndome en guardia. Je bouge. Locked and loaded. Eyes peeled. Gotcha. Reloading. Overwatching. Confirmadas. En marcha. Blanco abatido. A ello voy. X-ray. Blanco fallado. Je détecte une nouvelle vague d'ombre près des coordonnées d'évacuation. Soyez très prudents. Elle semble avoir compris notre stratégie. Les anciens sont prêts à tout pour faire échouer cette alliance. Mais il leur faudra plus qu'une horde d'ombre pour y parvenir. Affirmativo. Enemigo abatido. Necesito suministros. Je me déplace.
trahisseur. Je vais ouvrir l'œil. Done. Come get some. Dash. Position, mais la zone d'évacuation est encore plus dangereuse que ce qu'on pensait. Le temps presse. Dites-lui de tenir le plus longtemps possible. On arrive. Todo cubierto. Je change de position. Je vois tout. Good to go. Overwatching. Beat feet. Je vais me déplacer. Son service est terminé. Je manque de munitions. Vigilance confirmée. Entendido. En movimiento. Enemigos pacificados. Pocas cargas. Todo cubierto. Blanco eliminado. Central. L'ampleur de la biomasse actuellement en route vers la position est phénoménale. Si nos hommes n'évacuent pas au plus vite... Croyez-moi, docteur. Ils sont au courant. Chasser sans munitions. Enfin, munitions épuisées. J'y vais.
It's still standing. X-ray down. Running dry. Nailed him. Need to reload. Preparada. Eso no me gusta. Ya me ocupo. Back in business. Dropped him. Gotcha. Ogre watching. Double time. Recharge mes munitions. Personne ne passera. Je vais me placer. La nuit entière sera bientôt sur nous. Nous ne tiendrons plus cette position très longtemps. Éclaireur au talion, comment on fait pour partir d'ici? Je pourrais pas descendre plus bas! Allez! Je n'ai pas l'intention de mourir aujourd'hui. Je vais vous suivre. Fonce à la fontaine! Ce ne fut pas facile, mais les faucheurs et les escarmoucheurs ont accepté de coopérer pour une fois. Ce qui est un véritable exploit. Nous avons choisi une manière différente de résister. Mais nos peuples se battent pour la même cause, pour le monde que nous connaissions. Ensemble, nous mettrons fin à l'occupation, ou nous mourrons. Les factions de la Résistance sont plus flexibles que nous en matière d'entraînement. Plusieurs capacités s'offrent à leurs soldats avec chaque promotion. Ils s'adapteront en fonction de vos choix, commandant. Thank you.
Une action efficace et pas de blessés. Vous pourriez diriger les faucheurs, commandant. Bien joué. Dans peu de temps, notre prisonnier se mettra à table pour échapper à l'infinie terreur du néant. Les factions de résistants nous aideront à localiser le prisonnier si nous lançons une mission secrète avec eux. Merci de m'avoir envoyé du personnel pour m'assister, commandant. Soyez certain que j'en ferai bon usage. Nous venons de prendre contact avec une faction de la Résistance, les Faucheurs. Ils sont très discrets, mais voici leur QG. Nous pouvons scanner la zone pour récolter les fruits de notre collaboration. C'est donc vous, ce fameux commandant. Dragunova m'a dit le plus grand bien de vous, ainsi que de votre équipe. Ce qui est assez rare. Vous êtes les bienvenus. J'avais quelques inquiétudes quant à cette alliance, mais j'ai cru comprendre que cet escarmoucheur, Mox, avait été fait prisonnier alors qu'il protégeait l'un des miens. Les faucheurs n'oublient rien, commandant. Nous tiendrons parole. Terminé. Votre ténacité provoquera votre perte, commandant. Si vous venez m'affronter, j'espère que vous serez à la hauteur de mon talent.
mettons le cap sur le Mexique. L'Institut de guérilla est opérationnel. Commandant, maintenant que les membres des factions de résistants nous ont rejoints sur le Talion, je pense que vous aurez besoin d'un lieu pour organiser et préparer nos futures opérations. Les résultats de notre découverte sont fascinants. Les officiers d'Advent semblent similaires, bien que physiquement différents des soldats d'Advent en termes de puissance et d'agilité. Et toutefois, nos rapports indiquent une acuité mentale supérieure, les officiers transmettant des ordres tactiques à leurs subordonnés. D'après mon expérience, Advent privilégie toujours la sécurité au subterfuge quand il s'agit de protéger ses... Calcul du nouveau cap du Talion. Vers qui se tournera le peuple de cette planète quand son dernier espoir se sera envolé? J'imagine que c'était plus facile que votre dernière procédure, docteur. Central, commandant. Oui, je trouve le processus nettement moins déconcertant lorsque le sujet est déjà décédé. Quant au résultat, vous devriez voir ça de vos yeux. L'autopsie du capitaine d'Advent a confirmé l'existence d'un implant de conception similaire à celui que j'ai extrait du commandant. Mais il y a des différences. Quel genre de différence? Les données que vous voyez sont directement extraites de l'implant du capitaine d'Advent. Et cette séquence, c'est essentiellement vous, commandant. Ou du moins, ce sont les informations tactiques qu'il faisait traiter par votre cerveau. Comme vous le voyez, les données sont presque identiques. Il vous utilisait contre nous. Oui, toutefois, les données d'Advent sont détériorées. L'extraction du commandant de leur réseau a dû provoquer de sérieux dégâts. Leur réseau? Oui. Ce que nous voyons là est un réseau psionique. Ces implants sont capables de recevoir et de transmettre des informations en très grande quantité. Des informations codées dans un flux d'énergie psionique. Voici ma théorie.
Advent se sert de ce réseau pour augmenter la réactivité tactique de ses troupes et transmettre ses ordres en temps réel depuis le QG central. Regardez. Le sujet a beau être très diminué, l'implant continue à avoir un effet. C'est une prouesse parfaitement remarquable. Ou une faiblesse. Éventuellement. Mais j'ai besoin d'un accès direct à leur réseau pour en être sûr. J'imagine que ce ne sera pas simple. Il faut une liaison active. On devra donc pirater un officier d'Advent en action. Comme je le disais, ce sera pas simple. Mais ça reste notre meilleure piste. À vous de voir, commandant. Nouvel objectif ajouté. Commandant, j'ai mis à jour nos objectifs avec les derniers renseignements reçus. Le capitaine d'Advent semble être un moyen de stabiliser le lien entre les subordonnés locaux et la tour du réseau Advent. Commandant, si nous voulons tenter de fabriquer le jack découvert par Taigan, il va nous falloir un centre spécialisé pour le tester. Nous nous mettons immédiatement au travail, commandant. Je vous contacte dès que je peux vous fournir un rapport complet. Je reçois un message pour vous, commandant. Je le transmets dans vos quartiers. Vous avez fait de grands progrès face aux extraterrestres depuis un mois, commandant. J'espère que vos efforts seront à l'origine de nouveaux succès. Les élus sont difficiles à infiltrer. Mais nous avons des informations sur leurs dernières actions et une idée assez précise de leur progression vers leur objectif ultime, localiser le Talion. Commandant, des renseignements suggèrent que les extraterrestres travaillent à différents développements qui pourraient bien nous empêcher de mettre un terme au projet Avatar. Nous pouvons mener des opérations de guérilla pour perturber l'un d'entre eux, mais nous devrons choisir avec soin. Nos ressources ne nous permettent qu'une seule intervention. Commandant, les factions ont accepté de soutenir XCOM et sont prêtes à suivre vos ordres. Plus nous aurons d'influence sur ces groupes, plus nous aurons de possibilités. Tout se passe à merveille. Je crois que mes faucheurs peuvent recevoir de nouveaux ordres. Commandant, nos soldats vont devoir travailler avec les factions de la Résistance pour mener à bien ces opérations secrètes. Ils seront absents quelques jours, mais nous développerons notre influence sur la Résistance tout en offrant un certain soutien matériel. Cette opération demande une bonne expérience du terrain, commandant. Un vétéran serait parfait pour diriger nos hommes. Secrète, on connaît. Espérons que vos soldats suivront. Commandant, la Résistance dispose d'une cage de ressources à l'abri d'Advent. Mais cela va nous obliger à survoler et scanner la zone si nous voulons nous en emparer. Rien sur le réseau local. Advent est calme en ce moment. J'imagine que c'est vous qu'il faut remercier. De rien, Mère Louve.
Profitez-en tant que ça dure. C'est ce qu'on fera. Notre système de purification... Je reçois un très fort signal d'une tour du réseau Advent. Transmission globale. Monsieur, je pense que vous voudrez voir ça. Chers citoyens, depuis 20 ans, la coalition Advent travaille sans relâche pour réparer les ravages et les injustices de l'ancien monde. Sous notre tutelle, nos villes prospèrent, notre peuple aussi, et notre monde guérit. Pourtant, certains parmi nous refusent encore de voir la vérité en face. Des dissidents déterminés à détruire tout ce que nous avons pu construire. Plusieurs contacts radar approche du refuge Alpha 7. Cela doit cesser. Alors même que je vous parle, les soldats... Vous avez des ennemis en approche. Le signal est faible. Pour éradiquer ce fléau une bonne fois pour toutes. Ils sont juste au-dessus de vous. Je vous perds, Talion. Rappelez-les encore. Nous assurerons votre sécurité et votre bien-être tout au long de cette crise. Il faut que tout le monde sorte de là! Avec votre coopération, nous finirons par vaincre ces agitateurs. Et nous connaîtrons encore 20 ans de paix et de prospérité. Ils n'ont aucune chance. Commandant, nous devrions préparer une escouade au déploiement. Une escouade est prête à rejoindre le refuge de la Résistance assiégé par les extraterrestres. Vous n'avez qu'un mot à dire. Notre prochaine opération nous conduira au cœur du territoire de l'élu, commandant. La créature risque fort d'interférer. Nous devrions donc nous organiser en conséquence.
y aller. Intercepté de nombreux messages des forces extraterrestres qui attaquent un avant-poste de la Résistance dans cette région. Et nous sommes les seuls à pouvoir intervenir. Nous allons boucler la zone. Neutralisez les contacts hostiles et ne faites pas de quartier. L'un des élus a lancé un assaut contre un campement de la Résistance dans la zone. Nos hommes font tout ce qu'ils peuvent pour contre-attaquer, mais nous devons aider à protéger les civils pris au piège dans les environs. Un groupe de soldats de la Résistance est caché à proximité de votre position. Allez les aider à repousser les forces extraterrestres. Je me déplace. Je passe en vigilance. Bien reçu. En route vers la cible. Je reste en observation. Aïe, aïe. Ice Field. Headed there now.
Closing on target position now. Tech guys will love this. Compris, j'y vais. Copy that. Commandant, Advent ne recule pas. Certaines de leurs unités dans la zone préfèrent ignorer nos forces pour mieux s'en prendre aux civils. Abattez ces salopards! Les résistants sont en sécurité. Ils vont pouvoir aider les autres survivants. Un important groupe de civils est pris au piège à portée de votre position. D'après nos informations, des forces ennemies seront très bientôt sur place. Nous devons les rejoindre avant que les extraterrestres ne fassent un massacre. Tout de suite. I'm all over it. J'y suis déjà. Dashing.
vos ordres, commandant. Est toujours vigilant. Orders confirmed. Moving out. Affirmative. Covering now. Bien compris. J'y vais. Tout de suite. Beat, beat. Je les entends bouger. Position confirmée. Scan en cours. Ça se déplace par ici. Designated coordinates. Les rumeurs parlaient de créatures métamorphes. J'imagine que c'est ça. C'est une espèce remarquable. Si seulement on pouvait la confiner. N'y pensez même pas. Scanning. Could use some ammo. Menace 1-5, vous avez sécurisé les derniers civils et nous ne captons plus aucune présence ennemie dans la zone. Très beau travail. Ne les
laissons jamais ces rebelles insuffler la peur dans notre cœur. Leur victoire aujourd'hui n'aura aucun impact réel sur l'histoire avec un grand H. Ce n'est qu'un contre-temps sur le chemin du salut que les anciens nous ont préparé. Tiendrait le coup. J'ai l'impression que c'est tout à fait le cas. C'est un travail remarquable que vous avez accompli à la tête de la Résistance, commandant. Les forces locales de la Résistance veulent établir le contact, mais c'est à nous de faire le premier pas. La collaboration de ces extrémistes ne suffira pas à unir les forces de la Résistance, commandant. Nouveau cap du Talion. Du nouveau cap du Talion. Le relais de puissance est opérationnel. Nous recevons un message prioritaire. Bonjour, commandant. Je crois que vos récentes activités ont attiré l'attention d'Advent. Nos envahisseurs préparent quelque chose. Advent réaffecte un personnel et des ressources considérables à des centres de production et de recherche secrets sur la planète. Les détails exacts de ces opérations sont classés top secret, mais un mot revient dans tous leurs fichiers. Avatar. Je pense que le site secret que nous avons découvert fait partie de ce projet Avatar. D'après ce que j'ai pu voir, c'est un projet de très grande envergure.
Selon une source encore indéterminée, ce projet est supervisé par la direction d'Advent. Nous avons essayé de connaître son identité, mais en vain. Nous devons tenter une approche plus directe. Nous ignorons la nature exacte de ce projet Avatar. Mais nous pouvons y mettre fin. Nous devons trouver ces installations secrètes avec l'aide de la résistance locale, retarder les opérations ennemies et découvrir la vérité. Localisez la source du projet Avatar et détruisez-la. Si l'ennemi atteint son objectif, je sais que ce sera notre fin à tous. Je suis convaincu que vous prendrez les mesures qui s'imposent pour enrayer cette menace, commandant. Nous suivons ici de près l'avancement du projet Avatar. S'ils finissent ce qu'ils ont commencé, je crois que ce sera notre fin à tous. Calcul du nouveau cap du Talion. Commandant, si nous voulons gagner cette guerre, nous devons saisir la moindre occasion de nous battre. Nous devons être prêts à attaquer l'ennemi dans des situations imprévisibles qui demandent une certaine préparation. Nous mettons le cap sur le Mexique. Commandant, je détecte des substances chimiques dans la zone. Un mélange de composés volatiles. Si nous ne sommes pas prudents, tout pourrait s'enflammer.
Nous avons tenu à honorer nos morts, commandant. C'est peu de chose, mais nos hommes ont pu leur rendre hommage. Pour beaucoup de nos soldats, les quartiers d'habitation du Talion sont un cran au-dessus des logements qu'ils avaient au sol. Nous avions des soupçons, mais nous n'avions pas encore les ressources pour enquêter sur des bases secrètes éventuelles d'Advent construites en dehors des centres urbains. Maintenant que nous savons pour leur site secret, je m'inquiète de ce que nous allons y trouver. Allez savoir ce qu'ils fabriquent là-bas.
docteur Taigan a détecté le signal d'un relais de communication extraterrestre caché qui envoie un flux régulier de données au réseau d'Advent depuis cette zone. Tout ce que nous ferons pour perturber leur logistique augmentera nos chances de les arrêter. Nous devons sécuriser la zone et éliminer les ennemis, puis détruire ce relais avant la fin de la transmission. Menace 1-5, le relais de communication est droit devant. Allez-y et détruisez la cible. N'oubliez pas, commandant, cette zone abrite des matériaux particulièrement inflammables. Nous devons tout faire pour protéger nos troupes d'une explosion éventuelle. Ces deux-là se complètent parfaitement sur le champ de bataille. Si nous prenons soin de ne pas les séparer au combat, ils en tireront de nombreux avantages tactiques et renforceront leurs liens. Moving. On Overwatch. Roger that. Eyes peeled. Will do. Solid copy. Overwatching. Understood. Moving out. Got it covered. Affirmative. On it. Affirmative, covering now. Moving out. Moving to Overwatch. Copy that. Come get some. Confirmed. Eyes on the prize. Copy that. Beat feet. Thank you.
time. Menace 1-5, la transmission extraterrestre se poursuit et nous allons manquer de temps. Rejoignez ce relais et détruisez-le, vite! Montez. Double time. Roger then. Enemy sighted. Dash. Target spotted. Commandant, on a identifié le relais extraterrestre. Menace 1-5, le signal de la transmission faiblit. Le transfert est presque terminé. C'est votre dernière chance de détruire ce relais. Destruction du relais confirmée, la transmission a été coupée. Éliminez les ennemis encore présents et évacuez la zone. Au début, Advent déployait des unités paralysantes pour contrôler les foules et les manifestations. Mais tout ça a bien changé aujourd'hui.
neutralized. Taking heavy fire! On my way. Sure, the docs don't want to see this. Moving to Overwatch. Out. No longer a threat. I'm running low on ammo. Got it. Moving out! I am with you! X-ray neutralized. Menace 1-5, statut confirmé. Tous les ennemis sont morts, la zone est sécurisée. Menace 1-5, statut confirmé. Mission accomplie. Je tiens à rassurer les citoyens d'Advent. Nos soldats de la paix mettront tout en œuvre pour empêcher d'autres attaques criminelles comme celles que nous avons connues aujourd'hui. Les anciens ont une confiance totale en notre capacité à faire taire ceux qui menacent notre paix.
travail. Je sais que vos ressources sont grandement limitées, commandant. Mais vous avez réussi bien au-delà de mes espérances. C'est du beau travail. Comme vous êtes poussé à libérer votre peuple de l'oppression supposée des anciens. Le fardeau de l'honneur qui m'inspire depuis ma création me pousse à servir les dieux, quelles que soient leurs intentions. Ce sera certainement un grand pas en avant. Commandant, l'équipe scientifique s'intéresse tout particulièrement à ces recherches. Leur inspiration pourrait nettement améliorer l'efficacité de nos travaux. En revanche, nous devons agir vite. Ils sont brillants, mais un peu fantasques. La science a hâte de se mettre en œuvre, commandant. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, commandant? La technologie d'Advent, ainsi que ce que nous avons pu voir dans les centres urbains, est basée sur des variations et parfois des améliorations de la technologie extraterrestre utilisée pendant l'invasion. Heureusement, plus elle sera employée, plus il nous sera facile de trouver des composants pouvant fonctionner avec les systèmes hybrides du Talion. Notre équipe est efficace quand elle est inspirée. Les lanciers d'Advent semblent avoir été équipés dans le but d'assurer le maintien de la paix dans le centre des villes. Bien qu'ils soient dotés d'armes ne provoquant que des blessures non mortelles, nos récents rapports indiquent que ces unités deviennent de plus en plus agressives. Advent comptait clairement sur ces unités pour s'occuper des citoyens récalcitrants dans les centres urbains. Ils en sont venus à des méthodes plus brutales pour maintenir la paix depuis le temps. Je savais que ces recherches seraient votre priorité, commandant. Je vous ferai signe dès qu'un rapport complet sera disponible. Commandant, nous pouvons désormais établir le contact avec des groupes de résistants opérant un peu partout sur la planète. Lorsque nous aurons suffisamment d'informations pour le faire, nous devrons scanner la région voulue pour y trouver le signal de l'agent. Après avoir payé le coût en renseignement pour établir le contact, il faudra scanner la région quelques jours avant que la résistance locale se manifeste. Quand ce sera fait, nous serons opérationnels dans cette nouvelle région. Commandant, grâce à nos informations, nous avons localisé des résistants opérant dans cette région. Mais il nous faudra du temps pour repérer leur position exacte. Nos peuples semblent s'entendre à merveille, commandant. Si vous avez du nouveau pour nous, commandant, mes faucheurs sont prêts à recevoir vos ordres. You
Commandant, les factions que vous avez contactées sont bien équipées pour traquer les élus. Leurs connaissances nous seront très précieuses pour aider XCOM à localiser et éliminer ces menaces. Les avantages que nous gagnons à collaborer avec la Résistance pour leurs opérations secrètes sont une aubaine pour nous. Mais les risques ne manquent pas. Nos soldats pourraient être attaqués ou capturés en mission. Ce n'est donc pas une décision facile à prendre. Nous avons de nouveaux tours dans notre sac, commandant. Il faudrait peut-être les essayer. Commandant, Mox a été capturé. Nous devons tout faire pour le récupérer avant que les élus lui fassent subir Dieu sait quoi. Je vais ordonner à mon peuple de se mettre en route. C'est ce que j'espérais, commandant. Cette technologie devrait nous donner accès à de nombreuses applications extrêmement utiles. Je vous enverrai un rapport dès que nos recherches seront terminées. De nouveaux ordres, commandant ? Informe que la Résistance a attaqué une voie de ravitaillement d'Advent. Nous pouvons récupérer des matériaux précieux, à condition d'éliminer les extraterrestres qui gardent le site. Je vous reçois 5 sur 5. Commandant, les forces de la Résistance que nous venons de contacter dans la région nous ont fourni toutes les infos qu'elles avaient sur l'élu qui sème la terreur dans cette zone. Où croyez-vous aller comme ça? Si vous voulez vous battre, je vous conseille de venir avec tout ce que vous avez.